Bonjour à tous et à toutes, et salut, c'est bienvenue pour la suite de Ace Attorney numéro 4, Apollo Justice ou Apollo Justice et le pouvoir de l'œil. Ça fait un petit moment qu'il n'y a rien eu à propos de ça, parce que petite pause, hein, ne m'en voulez pas, mais c'est comme ça, parce que nous sommes partis pour une phase d'enquête, et les phases d'enquête en général ça dure plus d'une heure, ou au moins une heure. Et faut que je me concentre. La dernière fois, nous avons eu deux petites parties d'une petite demi-heure, très sympa, sur la première partie du procès, où on a tenté de gagner un peu de temps avec Willy, ce fameux jeune rebelle de la Tessie, t'as vu, qui voulait tuer des gens pour aller en prison, mais cela cache peut-être quelque chose d'un peu plus profond à propos de ce désir de vouloir se séparer de la tâche familiale, voyez-vous. Ce que nous avons actuellement devant nous, c'est sa future femme, Alita, dont j'ai oublié le nom de famille, alors que c'est mentionné à peu près 30 secondes. Et notre premier témoin, slash coupable, on ne sait pas trop, qui a essayé de tenter des trucs, une personne dans l'école de droit qui s'est avéré être un voleur de culottes parce que nous voulons savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces culottes qui enferment tant de magie, tant de mystère. Et bien, c'est fait alpaguer, nous avons gagné un peu de temps. Aujourd'hui va donc être l'enquête et nous allons commencer par discuter avec la personne. Alors si vous entendez des bruits, parce que des bruits comme ceci, voilà, c'est une manette parce que normalement je joue sur le clavier. Est-ce que, au secours? Oh non! Ah super, alors attention, vous allez voir tout de suite une chose incroyable, le contrôle. Comment ça se fait que c'est de la merde? Évidemment, c'est de la merde. Left, down, voilà. Incroyable, il remet ses contrôles en plein jeu. Ah, oh, c'est bien mieux d'un coup. Nous allons donc discuter avec la personne ci-dessus, enfin, ci-à-côté, Alita. Parle-nous de tout. Voilà, et aussi notre cher Willy, hein, que je vais bientôt appeler Willy Wonka, parce que j'ai des références comme tout le monde. Fait partie d'une famille de mafieux. Et je vous rappelle bien sûr votre épisode policier et mieux avec un petit café, une boisson chaude ou une boisson froide en ce moment et un petit truc à manger. Actuellement j'ai eu le café parce que Godot, best personnage ever, à jamais. Très bonne question d'ailleurs, comment une simple citoyenne peut rencontrer et tomber amoureuse d'un mafieux? Ah, classique. Ah, pas classique. Alors vas-y, dis-moi un petit peu tout, MDR. Comment ça? C'est pas vrai. Non. Waouh, si seulement toutes les organisations en France pouvaient faire ça. Balkany, si tu m'entends. MDR. Moi, je suis sûr, il essaie d'ouvrir une entreprise dans la restauration rapide, dans les nouilles. MDR, ça serait marrant quand même. Yes. Oh, Big Boss, Metal Gear. Sûrement. Très sûrement, écoute. Ah, la tradition, on la connaît. La fameuse tradition. Ah oui, et ce fameux point de l'enquête, cette fameuse histoire. Le docteur Meratkis qui est mort. Le cadavre qu'on a retrouvé. En train de traîner un stand de nouilles. Qui a priori a opéré Willy. Mais l'a mal opéré. J'ai envie de dire comme en France, comme ça a un certain pourcentage, mais ça va être mal vu. Je vais me faire défoncer. Oh tant pis, je le laisse.
Et à la fin, en fait, Willy, il va mourir. Ce n'est pas un spoiler. C'est une promesse. Ou l'inverse. Reconnaîtront ceux qui auront la référence. Ah oui! Allons à la clinique. Ouais, par contre, tu le dis de manière souriante. Trop confiante. Elle cache quelque chose, cette petite. Du coup, allons à la clinique Chambouzeux. Non, m'en fous. C'est la maison d'Eldoun. Ah oui, d'ailleurs, faut qu'on revoie Eldoun. Qui n'est pas là. Donc, la clinique. Yes. Le garage. Bon, il n'y a rien à faire là. Il y a un petit jar. Toujours là, le petit jar. Bon. Dans ce cas, le. Il n'y avait pas un autre truc? Non, il me semblait que je pouvais accéder. Bon, alors au domaine. Bon, toujours rien. Le parc. Toujours rien. Bon, bah, du coup, allons voir notre ami Felix Wright qui a eu un accident. Il y a trois affaires à régler et c'est. C'est beaucoup, vous voyez. Bon, alors, même chez moi, il n'y a plus de musique. Centre de détention. Allons quand même voir notre ami Willy. Yes. Willy Wonka. Je vais dire Willy Wonka. Je vais chanter Willy Wonka. Oui, monsieur. L'autre suspect. Quel autre suspect? Ah oui, notre cher Edgar Tatillon. Yes. Ah si. Ah, j'espère qu'il va regretter. Edgar Tatillon, un personnage. Voilà. Cette musique dramatique. Pourquoi il a toujours son bouquin? Salut. Alors, ça va? C'est bien la prison? Il le prend. Très calme. Très calme. T'as par contre là, les musiques, elles sont vachement mieux là. Elles sont. Bien dans l'ambiance, je trouve. Bon, alors, franchement, entre nous, Sculotte, tu as compris, écoute, comme les plus grands génies de ce monde, oui, ouais, moi aussi, je peux sortir cette excuse pour les sauver de nom. Alors, on est là-dessus, on est sur du fanatisme. Gratuit. Celui-là, je le laisse en montage par contre. Oh là là, là. Oh. Il y a une chose. Alors, ce que je veux dire est une opinion personnelle. Je n'apprécie pas vraiment les personnes qui sont fans de quelqu'un juste parce qu'ils ont quelque chose que eux n'ont pas. C'est-à-dire que, si vous voulez. Avoir ce que les autres personnes ont tenté. Tenter des choses pour être au même niveau. Tenter des choses pour obtenir ou ne serait-ce toucher ce qu'ils ont. Comme ça, vous serez toujours en dessous d'eux, mais vous serez proche. Parce que eux, ils en profitent aussi des fois. Je suis en train de m'élancer des choses qui ne me regardent pas. Laisse-moi regarder ton petit doigt. Oui, je suis pas étonné en fait. Dans ce cas, est-ce que tu reconnais cette culotte? Yes. Allez. Elle forme ce culotte. Oui, un peu. Nîmes, un peu pénétrable. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. La technologie. Un inventeur, une anti-sèche. Waouh. Ton portable. Non, ton portable.
Le deuxième. Non. Non. Non, il va pas. Il va pas. Ouais. Bon. Bon, 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 bah écoute, hein. Il n'y a rien à en tirer. Parce qu'un va se balader. Oui, un trigger, un personnage. Yes. Toujours en train de passer le balai. Qu'est-ce qu'il y a? Qui? Moi? Moi? T'as un problème? Tu veux te battre? Ah oui. Ah mais c'est pas moi qui l'ai pris, je vous jure qu'il sait. Oui, il est en prison. C'est pas gentil. Sache-le, arrête. Laisse-moi tranquille. Ah, alors, votre Willy. Il est... Bah il est encore en vie. C'est... C'est un bon point. Non, c'est pas un bon point. Non, tu... Non, bon d'accord. Willy, t'as pas moins un peu de ton fils, hein, s'il te plaît. Moi, je vais être un gangster. Un gangster, t'as vu? Ah oui. Ah, je connais, hein. Et t'as moins un garçon, voyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Oui, je sais. Je sais qu'il a pris une balle. Alors là, par contre, je donne un coup dans le micro. Alors, Willy nous en a parlé, oui. Ah mon dieu, des révélations déjà dès le début au bout de 15 minutes, mais c'est génial. Comment ça? Il est paralysé de la main de gauche. Oui. Ah bah... Sûrement, peut-être que... Ah bah, tu m'étonnes. Alita Thalia. Waouh! L'anagramme a dû être extrêmement compliqué à trouver. Oui, je me moque des traducteurs. Comment? Un pistolet? Non, je dis. De petits personnels. Vous rabaissez vos serviteurs. Oula, non. Des personnes qui travaillent pour vous de bonne volonté. Voilà. Je le prends vachement bien quand même. Tu... Fais gaffe, hein. Fais très gaffe. Alors, Alita. Alita, cette personne, la fiancée, dis-moi qui, quoi, où, comment. Quelques nuits ici, oui. Peut-être, hein. Ah, l'émulateur. L'émulateur a sauté, parfait. L'émulateur, arrête de sauter. Allez. La souris, mets-toi quelque part ailleurs. D'accord. N'importe qui dirait ça. LOL. Mais vous savez, oui. Oui. Ah bah oui. Le flair. Oui. D'intuition, oui, mais c'est le gangster, t'as vu? Alors, oui, ça je m'en doute. Oui, ça je m'en doute. Hein? Oh, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ouais, mais tu vois, la sécu, les impôts. Ouais. Ah, d'argent. Oui, évidemment. Un jour, la guerre. Alors, du coup, je te la rends, du coup. Oui, je vais te la rendre. Merci, madame. Non, non, mais j'insiste, hein. Prends. Oui, tiens, bah tiens, prends, allez. Yes. Très bien. Allez.
C'est votre arme, n'est-ce pas? Eh bien, c'était... Oui, c'était... C'était... Ah, au secours! Bah, c'est un balai en bobo, tout ce qu'il y a de plus normal! Ah bah... Oh, je suis tenté de te dire à la main, mais tu as mal le prendre. Hein. Alors, voyons voir, examinons un petit peu ça. Du coup, bon bah là je peux pas y aller. La poubelle, il y a toujours un truc dedans. Alors, rétroviseur, bon bah, je pense que... Oui. De la peinture, tu vois de la peinture? Ah, et là, bizarre, alors, ça, c'est du foutage de gueule. La dernière fois, je pouvais en prendre qu'un seul, et maintenant, je peux prendre les deux. Pourquoi me fais-tu ça? Tu sais que c'est pas très gentil. Voilà, j'explore un petit peu au pif, hein, on sait jamais. Eldrone, hein, il est beau. Oui. Oui. Ah, merci. Tu nous fais des louis. Ah bah oui, c'est... Oui. D'accord. C'est comme ça, écoute. C'est tordu, mais c'est possible. Petit slow d'harmonica. Non mais non. Trop de sel tue le goût. On va discuter un petit peu de toi et moi. Le stand à nouilles. Scang qu'on la mange. J'ai faim. Oh là, il y a un petit saut. Ouais. Oh là là, ça me rappelle un peu cette histoire actuellement avec Willy et son père. T'es fou ça? Des coïncidences un petit peu partout. Ah, c'est marrant. Ouais, il m'a. Oh, oh, dis-moi qu'il y a un truc, le jeu. Mou? Tu es mou? Oh non! Oh, on peut pas faire de trucs dans les phases d'enquête. Oh non, c'est dommage. Ah, j'aurais aimé. Ah, j'aurais aimé, je vous le dis, j'aurais aimé. Mais non. Quel dommage. Ah mais oui, c'était à côté. Mais quel idiot. Pardon? Un seul médecin? La paix, oui, ça je m'en doute. Je sais. Oui, ça je savais. Ça je savais pas. Ah, tu sais, une petite opération, moins 15%. Pour 15 fractures opérées, la 16e est offerte. Et à la 17e, on nous offre une baguette. Ou un plein de nouilles. C'est ça qu'on a envie de voir dans le... Oh là là. Tu m'étonnes. Tu veux dire que Eldon était... médecin? Oh wow. Mais c'est plutôt une révélation. Oh là là, des révélations. Wow. Et là, c'est triste. Ouais, ça fait pleurer. Parce qu'on les coupe. Et qu'il y a un truc qui sort et ça fait pleurer dans les yeux. Oui. Ça te fait puer de la gueule.
crois pas. Ah. C'est triste. RT, c'était triste. Rose bleue pour soutenir Alden. Je soutiens Alden. Je soutiens Alden en commentaire. Oh, je suis en train de tout gâcher. Je m'en excuse. Un jour, il est arrivé. Et il a mis des nouilles dans ses opérations. Il m'a niqué toute ma viande. Oh, j'en ai marre. Secours. C'est que le début. Mais non, mais c'est important, mon petit gars. C'est quand que tu me fais des nouilles, s'il te plaît. Un problème. Oui. Et. Oh. Oh. Oh, comment tu l'as appelé, poupée. Oh là là. Alors là, le mouvement MeToo, comment il t'aurait défoncé la gueule. Eh ben, c'est gentil. Du coup, je me demandais. Est-ce que. Non. Est-ce que tu peux me dire si tu reconnais ces pantoufles? Hein? Les El Famoso pantoufles? Ah non, ça me. Ah, je suis déçu. Ah là là. Bon bah tant pis. Alors, du coup. Waouh. Bah je veux bien, mais on m'a pas dit que je pouvais y aller. Mais je suis pas un couple, connard. Ouais. Ok. Bah non mais attends. Non mais attends, j'avais une preuve. Non. J'avais une preuve. Oh non. Oh là là. Oh non, je suis déçu. Bon, je suis quoi maintenant? Bon. Est-ce que je peux essayer d'en parler à Willy? Est-ce que je peux essayer d'en parler à Willy Wonka? Je vais l'appeler Willy Wonka, maintenant c'est officiel. Je suis désolé, mais je vais l'appeler Willy Wonka. Yes! Est-ce qu'il sera de bon poil? Il le vit bien. Ok. Ah! Comment tu parles à ton. À ta femme? Ah oui, d'accord. Oh là là, ce jeune. Oh, j'ai envie de le frapper. Ah non, je suis déchu. Ouais. Et toi, je suis déchu de l'apprendre. Oh, je m'en veux. Hein, tes problèmes cardiaques? Hein? C'est une belle phrase, hein? Oui. Vous allez crever! Ouais. Ça perd de couilles? Faire le fond précieux? Tu sais, dans le dollar, ouais. Bon, écoute-moi bien, Willy, j'ai plus de café. Merde. Non, c'est pas ce que je veux faire. Obscur. J'ai envie de te parler déjà. Et ensuite, peut-être, que j'irai chercher Alita. Tape la cloche. Je crois que c'est une métaphore. C'est mon bling, ma princesse. J'ai l'impression de parler à un rappeur. J'ai envie de frapper ce gamin. Ah, alors oui, la question. Mais je vais te frapper. Mais je vais tous vous frapper, en fait. Le passé, c'est... Vous me faites chier. Oui. Oui.
Bon alors, cette fameuse clinique, hein? Entre nous, qu'est-ce que quoi? Dis-moi. Oui. Rivaux, oui, ça, oui, parce que vous êtes rivaux MDR. Prenez mon fidèle Schlass, ouais, Schlass, je vois bien ce que c'est un Schla. Et Sbler! Yes! Ça comme. Oh, yes! On aime ça, on aime parler comme les jeunes, t'as vu? Les jeunes de la Tess! Bah ouais! Oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mon gars. Bah oui. Ouais. Il faut savoir, il faut que l'on sache. Super important. De G, non, pas du tout. Une histoire de G, si vous savez ce que c'est, marquez-le moi, parce que je... Une histoire de gland, sûrement. Ouais. T'as de sacrées phrases quand même. Ah oui, tu vas prendre la format, tu vas faire que de la merde. Que de la merde. Mais moi, je comprends, mais j'ai envie de le frapper. Oh non. Oh non, pas toi. Oh, pas toi, Apollo. Non. Je commence à t'impressionner. Bon, non, mais t'es Willy. Entre nous. Hein, c'est ton chla. Ah oui, c'est ton chla. J'ai des bijoux de famille. Ouais, c'est des bijoux de famille, ouais. Oui, qu'est-ce que tu dis? Il l'a dit, il l'a dit, c'est bon, on est foutu! Oh, je vais te frapper, Je peux pas frapper mon client, s'il vous plaît. Vous pouvez pas enlever la vitre? Bon, alors dis-moi tout, Willy. Depuis longtemps, c'est ce qui s'est passé. Ouais, voilà, dis-lui. Allez. Putain, tu sais que tu aides vachement, Willy? Ouais. 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 Et donc? Oh là là, mec, c'est vrai. Ok, jusqu'à ça se tient. Le doc. D'accord. Ou non. Ne commence pas sur ce terrain, s'il te plaît. Ah. Ouais. Bon, on va faire un petit bilan. Donc du coup, je te laisse te débrouiller. Bon, je sais pas quoi faire. Au secours. Bah ouais. Ah mais j'en suis certain, mais je sais pas laquelle. Pourquoi en mettre demain? Je sais pas. T'as une idée peut-être, hein? Une liste, on va aller voir ton peu de fer. Oui. Waouh. Oui. Non, je t'avais dit une piste, pas un tour de mur. Non, bon. Eh ben, on est parti pour s'ennuyer. Allez. Oh, c'est magnifique.
Oh, les jours comme ça, je suis heureux. Ouais. Des badauds, comment tu parles? Oh mon dieu, c'est lui. Ah bah oui, il est là, moto. Ah zut. Oh, petit solo. Après, y a pas à dire, elle est bien cette musique quand même. Ah, c'est bad boy. Ah, je suis sûr que t'as fait un petit concert en speed. Ouais. Yes. Non, j'ai pas envie. Quelque part, c'est un peu vrai. N'importe qui fait signe et puis oh non. Oh non, la moto est tombée en panne. Oh non. Ah, ça c'est le coup dur pour l'avocat. Aïe, coup dur pour Jérôme. Oh, il a mis. Oh, il a mis 4 temps sur une 2 temps. Ah, l'erreur. Ah là là. Ah là 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 là, l'erreur du jour français. Ah bah, je pense. Ah oui, c'est vrai. Emma Sky est là. Salut les jeunes. Oui. Oh, salut les jeunes. Tu es vieux, Conrad. Fais gaffe, ça arrive vite. Ça arrive très plus vite qu'on le croit. Oh, waouh, la moto a disparu. Yes. Je l'ai dans le parc. Le parc. Ouais, trop bien. Il n'y a plus les bâches, ce qui est étrange. Pourquoi? Comment? Que où? Que quoi? Oui, Emma Sky. Elle s'appelle Emma Sky. Est-ce qu'elle est en train de vomir? Oui, bonjour. Ah, zut, on a parlé trop fort. Ah! Ah bah oui. Glamouré. Oh. Un mot que je ne connaissais pas. Tu sais que c'est pas bien de manger comme ça. T'as à peu près au niveau des joues quand même, non? Un petit peu? Non. Bon, alors ma petite Eva, est-ce que ton enquête avance? Ah, c'est une histoire ça, incroyable. En fait, c'était dans le DLC du... Non. Aïe, coup dur pour l'inspecteur. Ouais, c'est la passion hein, des gamers. Hein. Je suis pas certain de la véracité. T'es pas trompé sur la qualité? Non? Non. Ok, bon, c'est sûrement que tu as tes raisons. Non. Non, je vois pas. Il y a 7 ans, eh oui. Oh, révélation. Bah non. En fait, je suis qu'à l'épisode 2, donc non, je savais pas. Oh oui, du drama. Oui, je veux. C'est pas gentil. Et vérité, parce que vérité, jeu de mots. Non, c'est pas drôle, ok. Tant pis, j'aurais pensé que, mais non.
Moi j'aimais bien ce jeu de mots. C'est bon, dommage. Bon, qu'est-ce que... Ah oui. Ah oui, qu'est-ce que tu cherches? Oui. Ouais. Un rouleau et de la colle. T'as vu la gueule que ça a quand même? Non, c'est intéressant ça. Le sol est boueux. Ok. Ah, mais voilà quelque chose d'intéressant. Bah oui, du coup, on va tester ça de manière professionnelle et pas comme dans les téléachats nuls. On t'a pas filé un manuel? Non? Y avait pas le manuel. Il n'était même pas en promo. Oh. Il n'a pas en papier. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. On va essayer. Je vais essayer des trucs. Oui. Ah, je me sens comme un petit enfant là. Oui. Vas-y. Un instant. Vas-y. Eh bien, il y avait un mode d'emploi. Je le savais. Alors. Ok. Il y a une, deux, trois. Il y a un pied. Ok. Ok. Alors, on commence avec... allez. Alors, donc on va commencer. Là, empreinte de pied. Yes. Ouah, c'est excitant, les empreintes de pied, j'aime ça. Ok. Alors, attention, on va utiliser la souris. Vous ne la voyez pas, tant pis. Parce que je l'enlève. Alors, ok. Comment je fais? Oui. Touche les trucs. Comme ça. Waouh. Ah merde. Bon, oui. Est-ce que j'en fous partout? J'en ai foutu partout. Il y a une grosse tache de merde blanche. Laissez sécher, ok. Oh non. Ok. Ok, c'est ultra blanc. Ok. Oui. Oh, nous sommes des professionnels. Je me reconvertis tout de suite en coiffeur de plâtre. C'est un peu dégueulasse ça, 3D quand même. Voilà. À vous du rouleau pour n'en dire que l'empreinte elle-même. Ok. Tenez bien le rouleau. Ok. Ouais, la souris c'est pas. Ok. Ça m'a l'air potable. Sur le papier. Ponk. On retire. Et nous aussi avec une. Ça a pas du tout la même gueule que ce que je viens de déplâtrer. Alors. On va tester avec Willy. On va comparer. Bon, ça me paraît évident. Oui. Waouh. Yeah. Ok. Très bien. Bon, jusque là. Oh, c'est beau. C'est du génie. Incroyable features de ce jeu. Je mets 18 sur 20 parce que bon, le modèle 3D est un peu dégueulasse. À revoir. Je peux réessayer s'il te plaît? Oh, je vais réessayer. Je vais réessayer, ça a l'air trop bien. Comment je réessaye? Putain, je sais pas comment je réessaye, au secours. Ah, moi je vais réessayer. Bon. Ah, d'accord. Bon bah. Oh oui! Oui, je compte. Ah bah oui. Ça vous embête si j'essaie encore? Ouais, trop bien. Oui, je veux m'amuser. Bon, réfléchissons. Bon. Donc là, c'est Willy, on est sûr et certain. Techniquement, ici. Enfin, non, ici. Ça devrait être... j'ai oublié son prénom. Tatillon. Putain, je m'en fous du pas. Oh, je suis vraiment une grosse merde. Ensuite, oui, on fait ses chemins, tu sais. Oui, on... C'est fou ce qu'on trouve sur l'internet quand même. Hein. On enlève les moules. Ok.
Ok, maintenant on andouille. On andouille. José, amène-le sous d'oncle. C'est raciste. Oh là, je me sens pas bien. Alors, splotch. Donc, techniquement, ça devrait être celle-ci. Si seulement ça pouvait être pareil dans la réalité, les signes distinctifs entre toutes les chaussures. Oui. Attends, je vais finir, je vais réessayer, c'est trop cool. Il y en a une dernière. Et je vais réessayer. Non, c'est parce que je suis professionnel. Alors, on va jouer RP cette fois. On va dire que celle-ci, techniquement, est censée être... J'en fous partout. Est censée... Oh, c'est dégueulasse. Mais à chaque fois, il y a une grosse tache qui dépasse. Mais... On va dire que, techniquement, celle-ci est censée être l'empreinte du docteur Meradkis. Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule empreinte? Voilà. Ça me paraît être une bonne excuse. Alors, il y a un énorme signe distinctif, mais j'ai... Oh, c'est tellement simple, en fait. Oh, il y a une... Ah, voilà une drôle d'empreinte. Tu te fous de moi? Ah non, c'est une feuille, ok. Bon, on va voir. Si on glisse. Ah! Ah! Bon. Eh ben. Tu peux pas m'aider. Genre vraiment. S'il te plaît. Allez, je te. Hey. S'il te plaît. S'il te plaît, allez. Parce que je réfléchis. J'ai pas regardé les pantoufles. Oh, l'erreur du genre français. Oh non, je déteste ça. J'ai pas regardé les pantoufles. J'ai pas du tout regardé les pantoufles. Je me serais dit, c'est beaucoup trop simple. En effet, c'est beaucoup trop simple. Bon, bah... Voilà. Le coupable, c'est cette paire de pantoufles. LOL. Des pantoufles. Et c'est une très bonne question, mais j'ai pas la réponse. Oui. Ah mon Dieu, c'était peut-être une faille depuis le début qui a tué le docteur Meradkis. C'est absolument faux. Waouh. Je m'en étais absolument pas douté au partir du moment où je les ai vus. C'est toute une révélation actuellement, je suis choqué. Adala, arrête de manger. Écoute, ça se trouve, j'ai le stress, non? Avoue, Emma, tu stresses un petit peu. Allez, dis-moi que tu stresses un petit peu, Emma. Non, même pas. Ok, bon, tant. Emma, tu ne me sers à rien. S'il te plaît, tu me fais entrer dans la clinique. Allez, vas-y. Je négocie un plein de nouilles. Oui, c'est pas gentil. Merci, mais arrête de manger, s'il te plaît. Non, c'est surtout que tu sais pas te servir de ton kit d'empreinte. Waouh, c'est une lettre. Trop bien.
Wow. Cette musique est beaucoup trop entraînante. Cette musique a disparu. C'est dommage. Elle avait l'air bien. Alors, Eldoun. Alors, on va chez Eldoun. Il se passe un truc. Et il se passe quelque chose. Ah, non, c'est officiel, oui. Je sors ma carte piège. L'enveloppe. C'est une enveloppe, oui. Bonjour. Ah, c'est fou. Je suis... Est-ce que tu vois ce truc sur mon... Sur mon costard? Tu sais, le machin qui prouve que je suis avocat. Non, t'en fous, ok. T'es que les cons, je suis supérieur à toi. Yeah! On va entrer dans la clinique. Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Ah ah! Je vois directement qu'il manque une paire de pantoufles et il y a un max de bol. C'est... étrange. Perturbant. Et il me semble, d'après cette petite lumière qu'on voit à gauche, qu'une opération est en cours. Oui. Je suis trop badass. Ouais. Déjà, je vois qu'il manque une paire de pantoufles. Pantoufles réservées aux patients, ouais. Yes. Mais il manque une paire de pantoufles. C'est ce que je viens de dire. Oui. Ah. Yeah. C'est mystérieux. C'est quoi tous ces trucs par terre? Une paire de sandales. Il y a une personne qui s'est déchaussée. Sûrement. Tout ceci est mystérieux. Hypothèse que je vais formuler maintenant. Ces sandales appartiennent à Alita Thalia. J'en suis persuadé à genre 99%. Sûrement. Mais c'est un peu rapide. Yes, un indice. Ouais. Bon, par contre, réception, hein, 2 sur 20. N'oubliez pas nos honoraires. Ça, c'est une menace, monsieur. C'est... Non, c'est une menace. Alors, est-ce que là-haut... Non, ceci, ils s'en foutent. Très bien. Ah, regarde, il y a écrit bureau du docteur. Yes. Ah, mais j'espère. Ah, j'espère. Oh, oui. Yes. Ouais. Boum. Bah, ouvre la porte. Ouvre la porte. Vite. Vite. Oh mon dieu, c'était un cambriolage. Zut. Oh oui, je pense. Ah oui, ah, elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle remonte. Je suis sûr. Oui. Alors par contre, les machins fluorescents, ça me fait un peu peur. Ah lol. Oh. C'est un beau sang. C'est vachement concept comme aquarium. Des petits poissons. Ah mais c'est artistique, je pense. Ah mon dieu, il y a des livres par terre. Ces voleurs n'ont aucune pitié. J'en fais trop. Oh le verre. Oh non. Ouais, sans doute un scotch. Oh mon dieu, cette lampe est... par terre.
Ouais. C'est la question en fait. Une tache rouge. Sûrement. Rose. Ah, de la. Ah non, les produits, mince. Ah, le produit qu'on se met sur le corps là qui est un peu rouge. Ah, j'ai oublié. Ah, faute. La biactine, biafine, je sais pas. Ah non, pas le dialogue. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Bah, elle est un peu morte en fait. Ça me paraît autant logique, hein. Je vois vraiment pas de problème. Bon, oui, le coffre-fort, j'ai compris, le coffre-fort. On va l'examiner, le coffre-fort. Il est mignon, il prend quand même vachement de place. Une combinaison à 4 chiffres. Ah, mon dieu. Ah. Tiens. Ah, un 7, un 9. Ah, mon dieu. Mais comment peut-on faire si seulement nous avions un objet dans notre possession qui pouvait révéler les chiffres? Ah, je ne sais pas. Sans doute de la poudre. On va sniffer de la poudre et on va la recracher avec le nez. On est ce qu'il faut. Arrêtez de vous foutre de moi. Arrêtez de vous me prendre pour un débile. C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Yes. On peut se servir de la poudre. Yes, prends ça, espèce de clavier. De son doigt. Oui, parce que les doigts, c'est gras. Ouais. Ou alors, tu fais exprès de te tromper. Mais c'est vachement pute. Ah, je vais en mettre là. Et puis là. Alors, normalement, c'est tout. Ah non! Oh non, vous voyez des choses interdites. Oh non. Ah oui, c'était pas la bonne touche. Oh, vous avez vu des trucs interdits. Oh là là. Incroyable. Alors, tentons le 2 et le 5. Oh mince, c'était le 5 et le 2. Ah, triste. La faute du genre français. Ah, déçu. Alors, du pognon, des dossiers, un deuxième coffre-fort. Un rapport. Oui. Yes. Yeah. Allez. Ah bah oui. Infirmière. Ah mon dieu. Je t'ai vu la révélation de Gyozo. Oh waouh. Je suis choqué. Et presque pas surpris. Mais c'est très très intéressant. Moi je serais tenté de dire que c'est Boone. Mais regardons plutôt le petit chat. Oh non, le petit chat. Non. Bon, ça on s'en fout du coffre. On s'en fout du coffre. Ah, bon, je raconte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas que de balles. Mais sans faire de trou. Alors comment tu sors la balle en fait? Parce que je ne comprends pas. Ah bon. Ah oui, j'ai pas examiné ça. Excusez-moi. Ouais.
Au hasard. Ouais. Un bon mois, gros voleur. Gros voleur. Bon. Ah là là. Bon, moi je pense que il ne me reste plus qu'à aller voir. On va aller voir Aldoun. On va aller voir Aldoun, yes. Se déplacer. Ah oui, il faut que je. Oh, faut que je fasse tout le chemin. Maison d'Aldoun. Aldoun ? Il est pas là. Dans ce cas, allons voir. Oh, je sais. On va aller voir notre amie Emma. Pour, on va lui présenter la paire de godasses. Je suis sûr qu'il est joué dans ta... Ah ! Il me fait peur. J'ai fait une découverte incroyable. Hey. Hey, ça pourrait être pas mal. Alors, bon, je pense que j'ai déjà tout parlé avec toi. Oui, alors, j'ai des chaussures que je vais... alors déjà, on va regarder les sandales. Alors, admirons ces sandales d'une qualité bleue. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est bien que ceci? On dirait une empreinte de gros orteils. Mais un gros orteil dégueulasse. Yes, c'est ce que j'aime dire, vérité. Oui, je vais relever l'empreinte. Et je mitraille. Oui, alors, le clic de souris, toujours un plaisir. Alors, je ne me trompe pas de touche. Oui, j'ai une empreinte d'orteil. Un gros orteil. Oui, bah c'est... Pourquoi ? On va demander à Emma. Je suis sûr que... Elle est devant nous en fait. Alors j'ai une lampe aussi. Alors admirons cette superbe lampe. Une superbe lampe et il y a une... Alors hop là, on va examiner l'ampoule qui est cassée. Bah elle est cassée quoi. Et c'est quand même... S'ouvre. C'est pas de lui, c'est du faux sang. Yeah, ouais, incroyable. Ah là là, quel tour de magie je me suis fait avoir, mais c'est ça que je veux voir. Ce truc rouge. Attends, on va zoomer. On va. Ah là. Allez. Oui, presque. L'autre sens. Non, le. Ah, je vous jure, je vais y arriver. Ah, au secours. Non. Oui. Ah, je l'ai eu. Je vous jure, je vais y arriver. Ah, au secours. Ah, la tâche de sang. Yes, j'ai. Ah, c'était. Ouh, c'était chaud. Marque rouge. T'as tes idées. Alors, document. Alors. Balle logée près du cœur. Ouais. Un numéro aidé, rapport d'autopsie, docteur, infirmière. Ouais, bah déjà rien qu'avec ça. Mais ça, c'est ça que je veux voir. C'est la radiographie. Et ça, c'est une signature dégueulasse. Ça, t'es le médecin. Alors. Cette balle qui s'est fait, mais exploser. Écraser. Genre. Limite à la presse. Un pétis. Si tu regardes d'un certain angle, elle a pas tort. Bon, il y a des stries, hein, classiques de n'importe quelle balle. Faudra m'expliquer par contre quelle balle est creuse. Parce que ça m'a... Parce que ça, madame, c'est creux. Oh non, 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 tais-toi. Tais-toi. Voilà, donc on va présenter donc à Emma Sky cette paire de pantoufles. Non. Gauche, manette, merci. Regarde, j'ai une paire de sandales. Oui. Ah, merci Emma. Ah, c'est dommage.
J'ai deux sandales en fait. Et si j'avais, par hasard, est-ce que tu peux comparer avec ces paires de pantoufles? Ce serait une sacrée coïncidence. Ah merde. Ah non. Ah. Ah je me... Ah. Ah non. Ah je me suis fait avoir. Zut. Est-ce que par hasard j'aurais pas zappé un truc? Je suis sûr que c'est ça, je suis sûr qu'il y a un truc. Ne me fais pas mentir. Je suis sûr, à l'intérieur, je regarde à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y a un truc. On va zoomer, je vois un truc. Yes. Ah ah, je la vois. C'était ça que j'avais pas fait. Yes. Je t'ai eu. Pourquoi il y a un doigt? Oui. Alors pas. Oula. Il y a comme qu'il y a un problème avec un bouton de ma manette là. Prends ça, la poudre. Alors là, sans même comparer, je suis sûr que c'est les mêmes. Waouh, j'ai l'impression que l'affaire est déjà résolue. Incroyable, n'est-ce pas? Oui. Bah non, parce qu'elle a pas voulu me croire. Ah oui, t'as un expert, toujours utile. Oui. Bon. Pff, tu m'énerves donc. Oui, présenter les sandales, blablabla. Oh mon dieu, si on avait incroyablement une paire de chaussures. Mais oui, j'en ai une incroyable, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux comparer avec la paire de pantoufles là? C'est bon? Voilà. C'est pas trop tôt. Ils sont très nets. Yes. Oui. Quelle analyse rapide. Ouais, c'est ma. Alors, identique. Yes. Waouh. Ah mon dieu. C'est-à-dire que je sais. Bah je sais en fait qu'il est. Non mais je... Oui. Non mais j'en suis certain. Vérité, oui. Non mais je suis. Non mais non, je suis certain. Est-ce que je peux? Non. Bon. Alors, j'ai ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va peut-être aller voir Wright. Parce que, bon, on l'a pas vu et... Je crois que c'est le seul endroit que j'ai pas vu. J'en suis même certain que c'est le seul endroit que j'ai pas vu. Là, j'en suis même certain. Sûr certain. Donc d'ailleurs, comment il va le pépère? Et bah il y a l'impression qu'il y a un petit peu moins de bébé. Salut, ça va? La cheville? Ah, on se débrouille super bien depuis une bonne heure, là, si tu savais. Ah oui, c'est vrai. Oui, qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans? Please. Ah bah oui. Oh, je veux savoir. Oh, il se passe des choses. Oh, vas-y, dis-moi tout. Je veux jouer. Vas-y. Ok. Génie. Ok, génie, genre autiste baveux. Je la ferai tout le temps, cette blague. Bah non, en fait. Bah non. Moi, le joueur qui suis derrière l'écran, je ne connais pas ça. 17 ans, oh là 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 là. Ah, la chute de l'avocat français, de l'avocat japonais. Ouais. Ah bah, sûrement. Waouh. Bah, je sais pas, c'est passé quoi. La préface est faite. Oui, aussi. Ah, mais vas-y, ah, mais dis-moi tout, mon petit. Alors, ça fait quoi? 2. Ah oui, la preuve falsifiée. Et oui! Oh là là, il y a corrélation. Il y a corrélation. Ah là là. Ah, il y a corrélation incroyable.
se passe des choses. Bon d'accord, ouais, et ben, peut-être que c'était pas une bonne idée de venir. Mon petit Willy, ah, on va aller revoir au centre d'attention, peut-être que Willy pourra m'aider. J'ai des éclairs de lucidité là. Là je le sens bien, là je suis certain, mais genre vraiment certain que, ah je suis chaud là, ah je suis, ouais. Mon petit Woody, je suis pas content. Non, Woody, écoute, on va jouer les cartes sur table. Je pense savoir ce qui s'est passé. Bon, mon petit Woody, franchement, tu le veux vraiment ce verdict coupable? Franchement, à ton âge, Willy. Putain. Il y a des gens qui ferait tout pour ne pas aller en prison. La prison, c'est pas bien, Willy. Sache-le. Il se passe des choses en prison, pas cool. Le silence vaut toutes les paroles. Non, non, ça c'est une connerie, Willy. Bah oui. Mais je sais même pas ce que c'est, hein, j'ai... Tu m'énerves. Oh putain, si tu savais. Oh, si tu savais. Bon. Willy. Écoute, Willy, je sais tout. C'est ta radio. Non, c'est... Oh merde. Regarde, je te mets la lumière sur la radio. Il arrive. Il comprend rien. Il m'énerve. Merci. Ah oui, en fait... C'est sandales, n'est-ce pas? Oui. Allez. Et voilà. Incroyable. La déduction, la dame. Je l'avais dit. Là, je l'avais dit. Oh, c'était facile. Ah, putain. Oh, Willy. Ah, Willy. Ah, oh, si tu savais... Si tu savais! Oh, tu ne me croirais pas. Bon, bah, raconte-moi tout. Oui, ok. J'étais prêt à le faire. Ouais, ouais. La clinique Meratis, ouais, jusque-là, ça se tient. Yes! Oui, d'ailleurs, tu pouvais. Ouais. Elle avait les jetons. Oui, je le sais, je m'en doute. On va dire ça. C'est cela, oui. Ouais, on voit bien. Gangster. Elle a dit oui, MDR. Ouais, je viens si tu prends une épouse. Oh là 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 là. Oh, Willy, putain. Tu es crédule, Willy. Oh, oh, ça m'énerve. Je suis passé sur le billard et on s'est tiré. Ah. Alors. Bon. Mon petit Willy, c'est-à-dire que si t'as encore la balle dans le cœur et que... Voilà. Ah, bon. Déjà, il est au courant. Donc, bon, on peut pas lui en vouloir.
Ah. Ça, c'est intéressant. Bon. Ah, oui, tu es dans... Winnie, va falloir que ton père te raisonne. Très vite. Bon, j'aimerais bien parler à Eldoun, s'il vous plaît. J'ai un rapport, moi. Ce serait bien. Ah, putain, Eldoun, oui! Eldoun, tu es mon sauveur. Un expert. Je suppose qu'il est toujours... Oui, il est toujours médecin. Sniff, oui. Je suis tellement content. Ah. Ah, c'est beau. Écoute, Eldoun. S'il te plaît. Eldoun. Tu peux me traduire ce qui est marqué? J'arrive pas à lire l'écriture. C'est mal fait. On dirait un enfant de 5 ans. Oui. Les conditions dans lesquelles je les ai trouvées, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Que j'ai pas le droit de les sortir. Ah, qu'est-ce que... Oui. C'est-à-dire? Alors, vas-y, dis-moi tout. Pourquoi? Il est ABD. ABD, ABD, ABD. Traduction! Je sais pas ce que c'est. Oui, ça je m'en doute qu'il va crever, c'est pas la question. Mais pourquoi? Comment? Comment? Quoi-je? Remets ton bonnet. Oh, c'était une perruque depuis le début. Oh mon dieu! C'est fou, là il a une tête de chure, reviens, je le prends au sérieux tout de suite. Vas-y, je t'écoute. Oh là là. Oh là là. Ah, j'aime quand tu me parles comme ça. Ah, je... Oh, dis-moi des choses. Ok. Jusque là, je savais. Post-opératoire. Oui. Oui. Ça se tient. D'accord. Ah oui, alors 2000 mètres d'un côté ou de l'autre, et dimanche. Oh. Ah, je vois. Ne parle pas de magicien, s'il te plaît. C'est... Non, 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 c'est toi. Oh. Oh. Ah. Merde. Alors moi, quand je disais qu'il allait crever, c'est... Non, c'est... Pas comme ça, je veux dire. Si oui, c'est qu'ils font l'audace de le faire mourir sur le verdict... Non seulement c'est pute, mais quelque part c'est beau parce qu'il va mourir le cœur léger. Enfin le cœur léger, vous m'avez compris. Alors ça... Oui. La panique. Ah, le stress. Oh. Oh. Ah merde. Oui. Jusqu'à ça. Le mal. Le mal ne meurt jamais. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas opéré. Ça va être compliqué. À moins qu'il n'ait plus... Ah, oui aussi. Ah là là. Sauf Doctor Strange, mais depuis son accident, ça va être compliqué. Ah bah si. Problème. Problème.
Ah oui, j'avais oublié le détail. Oh, ce moment m'a fait presque oublier ce... Cette importance. Oh, l'héritage. Évidemment, l'héritage. Comment n'y avons-nous pas pensé? Peut-être que vous y avez pensé, bravo. Mais je n'y ai pas pensé sur le coup. Oh, l'héritage. Évidemment. Il se marie. Willy Wonk, il fait son testament. Paf, il claque le testament. Elle récupère la thune et pas... Oh là, c'était... Évident, c'était lu. C'était clair. Et j'ai passé à côté de ça. L'héritage, l'argent. Oh, ça va chier les briques. Oh, celle-là, je me la fais. Oh là, Alita, je me la fais. Je vais défoncer sa gueule. Et je savais qu'elle était louche. Dès le début, je l'ai vu qu'elle avait un sourire. Là, elle était louche. Elle était louche. Ça. Je vous assure quoi, que ça va pas se passer comme ça. Je suis pas content. Bon, et bien, on dit... Ben finalement ça aurait pris une heure, une petite heure 20, je pensais que ça aurait été un poil plus long. Du coup, eh bien, il y a une tension, il y a des révélations, il y a de la tristesse. C'est beau, pour l'instant, cet épisode est très bon, même si je le trouve un peu facile. Facile dans le sens où on c'est limite dirigiste, j'ai l'impression. Bon, on est qu'à l'épisode 2. Mais j'espère que l'épisode 3 va être un peu plus corsé, hein, avec un peu plus de réflexion. Pas trop non plus, parce que trop de réflexion, ça gâche un petit peu. Mais, pour l'instant, je le trouve bien. C'est moi, j'ai le café qui agit. Bon, et bien du coup, merci d'avoir regardé cet épisode, votre épisode policier jusqu'au bout, espérant que ça vous ait plu. Bien sûr, si cela vous a plu, le pouce bleu, un petit commentaire ou un gros commentaire comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et pour ne pas rater la suite de cette aventure, la fin de cet épisode, car après c'est le procès avec l'œil de l'Apollo Justice, de la l'œil de la justice. Oh, ça aurait été bien. A704, Apollo Justice, l'œil de la justice. Ça aurait fait un superbe titre. Du coup, ça. Il y a un Twitter où je suis présent. Il y a un Discord où est annoncée la sortie des vidéos, principalement, et l'avancée des vidéos en général. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Ace Attorney, Apollo Justice, l'œil de la justice.